Deuxième P4, les gars. L'arc vient clairement disparaître là. On a eu trois fois de l'engrasse. Je suis trop bien ça. Oh. Alors, j'étais en train de marcher. Je sais pas ce qui s'est passé. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des petites gouttes? J'ai envie de mourir, sérieux. C'est même plus drôle en fait. Salut Marion, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ça fait quoi, 3 semaines, c'est énorme quand même. Et du coup, aujourd'hui, vous vous souvenez, hein, ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, hein. On s'est fait ban, enfin ban, entre gros guillemets. En réalité, je dis ça surtout pour mettre un titre putaclic à cette vidéo, hein. Et donc, aujourd'hui, il va falloir tout simplement résoudre le problème, hein, parce que sinon, il n'y aura pas de let's play, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve sur mon bureau. Alors déjà, première solution qu'on m'avait proposée, hein, c'est déjà d'enlever le pack de texture, parce qu'apparemment, ça arrive souvent qu'il soit considéré comme un cheat. Du coup, j'enlève le pack, je redémarre le launcher et tout, sauf que toujours pas. Et du coup, on m'a proposé une dernière solution, c'est de tout simplement désinstaller le launcher, parce que c'est celui de la V5 que j'ai, et d'installer celui de la V6. Donc, c'est notre dernière solution, donc hein, c'est parti. Hein. Voilà, déjà, on va commencer par toi. Hein. Déjà, tu dégages. Du coup, maintenant que ça c'est fait, on va aller installer le launcher de la V6. Hop là. Allez, télécharger pour Windows, oui. Bon, allez, hop là. Putain, j'espère vraiment que ça va marcher, parce que... Vous voyez, par contre, si vraiment là, ça marche pas, on est baisé. Hein. Allez, je suis dans la merde. Hein. Waouh, enfin, allez. C'est pas en faire. Parce que là, le pire c'est que ça te kick pas dès le début, hein. Faut attendre. C'est parti, on croise les doigts. Bon bah maintenant, la partie la plus chiante, hein. On va attendre. Dans le temps je me faisais kick entre 5 et 10 minutes de jeu. Du coup, va falloir attendre et en espérant vraiment que je me fasse pas kick, sinon je vais pleurer tout simplement. Donc, nous voilà les amis, on se retrouve avec Taldo pour un nouveau don. Quoi? Ah, peut-être des explications. Oh. J'ai eu peur. Oui, t'es où? Elle est où? Ah, vas-y, lance. Mais... Ah, voilà. Ok, bonne chance. Alors, salut jeune aventurier. Te voilà, toi aussi perdu dans le labyrinthe. Le vaincre, tu feras... attends. Le vaincre, tu feras la récompense. Attends, quoi? Ah, je me suis perdu, attends. Salut, jeune aventurier. Te voilà, toi aussi perdu dans le labyrinthe. Le vaincre, tu feras la récompense, tu auras. Ah, ok. Mon cerveau a bégayé. Bravo, dans cette deuxième épreuve... Le vaincre, tu feras la récompense, tu auras. Oh non, un jump. Un jump, c'est ça. Qui a bien, donc du coup on a vu la première et deuxième, donc première épreuve c'est ça, et deuxième épreuve je fais un parcours, un truc comme ça. Aïe aïe aïe, le parcours. Alors, par contre ok, pas à courir. Ah, trouver, oui, trouver. Oh, il y a des trucs là dedans ou pas? Oh, hop là, on va récupérer ça. Ouh, ça m'a l'air très intéressant. Donc c'est parti pour une petite jump. Oh, ça va, ça a pas l'air. J'ai rien dit, j'allais dire que c'est pas trop... Attends, est-ce que je cours là? Ah oui, c'est pas comme sur Rina, genre là... J'avais oublié que genre ça se... Mais putain. Mais oh, attends, je vais couvrir. J'ai dit que ça a pas l'air trop compliqué. Oh mais je suis un boulet, je suis le pire. Ouais, j'ai honte de moi. Oh putain. Ne dis rien s'il te plaît, ne dis rien. Mec là vraiment, mais oh non, mais mec d'habitude je... Mon dieu de merde, oh mais non. Je suis vraiment le pire, hein. Regardez ça. Attendez, on va manger un petit steak. Je suis chaud, allez. Ok, ensuite, là il faut... Je sais même plus s'il faut sauter sur les trucs là ou faut genre passer vite fait, putain. J'en ai marre, j'en ai déjà marre, c'est une blague mec, je suis pas fait pour les jumps quoi.
veux réussir. J'ai un honneur. Ah putain. Vas-y, là, vas-y. Putain, enfin. Allez, donc. Où suis-je? Oh, on a des trucs là. Ah, il y en avait un. Oh merde. Attends, il y a un truc là. Un truc là. Hop là. Oh, oh, des billets. Oh, yes. La pioche fermeuse. En plus, elle est enchante. Elle est enchante. Wow. Ensuite, il y a la déco aussi. Je pourrais la récupérer parce qu'elle m'a dit d'emmener ma pioche. Alors, je récupère direct ou pas? Est-ce que. Non, attends, tu sais quoi? D'abord, on va regarder tout ce qu'il y a. Ensuite, on récupère la déco. Ensuite, là, on a une clé basique. Là. On a une clé basique, hop là. On a une clé random, on a ici une clé rare. Attends, on va se refaire un petit case opening. Après là, clé event. Attends, et en plus, le meilleur, imagine. Oh yes, on a une clé hebdomadaire. Imagine, on regagne de l'ice et tout. Wow. Alors, ah, il y en a un là. Mais attendez, je vais récupérer toute la déco. Nya. Nya. Hein? Ah, il y a un truc là. Oh! Attends, on va la mettre dans. Yes. Comme ça, je pourrais flex un peu avec. Après, on irait un peu flex avec mon hyper nice. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non, mais c'est vraiment, ça fait super plaisir. Par contre, le saut là-bas. tellement nul. Attends, j'aimerais bien. Ouais, là-bas. Par contre, ce saut, mec. Je suis mauvais. Donc c'est bon les amis, j'ai rangé tout ce que j'ai reçu lors du don dans ma BP. Et maintenant on va passer à un petit case opening. Alors, on a quoi? On a une clé hebdomadaire, clé basique, clé random, des clés rares, une clé rare et une clé event. Bah, on va commencer par les clés basiques. Hop. On a reçu 15 niveaux, ok. Hop là, allez, deuxième clé basique. Allez, pourquoi pas un peu d'ice. Elle dit un fond demandé, on l'a reçu, alors pourquoi pas retenter. Ok, armure vie, protection 3. Hop là, on va mettre ça juste. Non, pas sur moi, on va mettre ça là, juste ici. Alors, ensuite, on va passer au clé rare, bah, c'est juste là. Allez, c'est parti. De l'ice. Oh merde, ah ça va, c'est protection 4. Tu vois, il y a pire. Hop là, on va récupérer ça. Par contre, ma co, hein, elle a pas changé. Hein. Entre temps, toujours aussi merdique. Alors, on a clé event, clé random. Vas-y, on va faire clé event. C'est parti. On a reçu quoi? Un niveau protection 4. Ok. Hop là, ensuite on passe. Ah, on a clip de madère. Clip de madère, c'est où? Ah, vas-y, juste là. Vas-y, on va le faire maintenant. Putain! Ah, je l'avais vu là. Ça me donnait un fou de soir, putain. Allez. Non. 30 niveaux, ok. Allez, maintenant, on va se faire la clé random. Légendaire. Ah yes. Par contre, avec la clé random, on a toujours de la chatte. Donc ça va. Alors, clé légendaire, c'est parti. Ice. Ah, dommage. Elle a dû trancher en 5. Ah, dommage. Je n'aurais pas eu d'as cette fois-ci, mais bon, c'est pas grave. On a quand même eu des bons trucs. Du coup, ben, go ranger tout ça dans la BP. Alors, on se retrouve dans la Blast Claim de la faction, parce que je me suis rendu compte d'un truc tout con, hein, mais en fait, je vais pas pouvoir utiliser les billets maintenant, parce que, ben, pour l'instant, je ne suis que level 1 en métier de farmer, et j'avais complètement oublié. Du coup, avec tout ce qui s'est passé, j'avais complètement oublié de continuer justement à farm. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on se retrouve ici, on va farmer un peu les pigmen pour avoir, et ben, tout simplement, de l'XP. Donc, et ben, c'est parti, les amis, je vais m'y mettre, et on se retrouve... juste après. A few moments later. Alors là, on est reparti pour un nouveau don, sauf que cette fois-ci, il y a une petite particularité, c'est qu'il s'agit d'une énigme. Alors regardez, il y a un salon exprès pour ça.
Ah oui, et le don est de Colnor. J'ai failli oublier de le dire. Du coup, hop là, on va aller voir ça. Le début du don, enfin. Alors ensuite, 490,15 moins 886,890 fois 94. Et pour finir, 192 fois 4. Bonne réflexion et bonne chance. Si besoin d'indice, ping-moi. Il y aura 4 étapes, une toutes les 2 semaines, pour avoir les récompenses. La récompense ultime, donc n'épuise pas toutes tes ressources. Ok. Alors, ça m'a un peu grand comme chiffre. Je pense que c'est déco, c'est logique en même temps. Je vais faire un mec trop intelligent et tout, mais non, c'est logique, c'est déco. Donc, alors déjà, je pense pas. Alors celui-là, je pense pas du tout que ce soit fois 94, hein, parce que ce serait beaucoup trop grand. Je pense plus que ça, c'est divisé. Et 194 fois 4. Alors ensuite il y a lui il est bizarre, Ça, ça peut être déco. Ça peut être, il y a peut-être déjà déco. Ça peut être donc ça peut être le. Attends, comment ça comment c'est encore les co, je me sens plus. Oui, il y a 3 co. Ça, il y a Z, X. Attends, je me sens plus. Il y a Z et Y, je crois. Oui, Z et Y. Donc ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est Z et Y. Et X, enfin la couche, si je me trompe pas, hein, peut-être que je suis en train de dire la merde. Mais je crois que c'est ça. Non, qu'est-ce que je raconte? Wow, qu'est-ce que je raconte? Non, ça, ce serait ça. Et ça, ce serait X et Z. Et ça, ce serait la couche. Donc, soit la couche x4, je pense pas que c'est x4, hein, c'est beaucoup trop grand. Soit la couche, c'est ça. Ou soit c'est comme ici, c'est divisé par 4. Ouais, c'est parti les amis, je vais utiliser mon intellectuel supérieur pour vous calculer ça de tête. Non, c'est faux, je vais clairement prendre ma calculatrice. Alors, comment vous dire que ce don a duré 2 semaines? Et je rigole pas, hein. Alors, comme vous l'avez remarqué juste avant, grâce à mon intellectuel supérieur, j'ai compris à peu près la mécanique du truc. Du coup, j'envoie un MP à Conan pour voir si je suis à peu près sur la bonne voie, tu vois. Bon, après, forcément, il envoie des réponses vagues, hein. C'était logique, hein. Mais par la suite, il m'envoie ça. Alors, virgule est égal à fois, le slash on le compte pas, et le x égale pourcent. Et c'est ça qui m'a fait bégayer, parce que je voyais pas comment. Genre, ça veut dire que ça c'est multiplication, ok, mais ça. Mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et au final, et ben ça a duré, comme j'ai dit, 2 semaines, ben, il finit par m'envoyer la réponse et. J'avais la bonne réponse. J'avais la bonne réponse depuis le début, mais c'est le pourcent. En fait, je pense qu'il ne voulait pas m'envoyer pourcent. Enfin, pour lui, c'était pas pourcent, mais divisé. Mais bon, maintenant qu'on a l'ego, eh ben, il nous reste plus qu'à nous y rendre. A few moments later. Ok, alors normalement, on devrait plus être très loin. Attendez, hop là. Moins 9435. Ok, c'est normalement juste en dessous. On va vérifier ça. Ok, il y a un coffre. Yes. Ah, si vous savez comment je suis trop content. Ça fait 2 semaines quand même qu'on attend pour ça. Aïe. En plus, vraiment, on a vraiment la chance que ça soit pas fait piller, tout simplement. Parce que, entre temps, voilà quoi, ça fait 2 semaines qu'il est là. Aïe, mais enfin. Voilà. Alors. GG. Oh, bah merci, hein. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. Là, qu'est-ce qu'on a? Une pomme dorée. Un fragment de glace. Yes. Allez, on va tout de suite mettre ça. Dans notre C, allez, ouvre-toi. Nice, et hop là, 5e fragment de glace. Et je ne sais plus combien il en faut pour avoir le. Attends, si je dis pas de bêtises, c'est 7. Ouais, c'est comme ça, genre, je crois qu'il y en a en haut, comme ça, 3. Enfin, après, il y en a 2 là, mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Voilà. Et en espérant que sur les prochaines énigmes, je ne prenne pas autant de temps. Bon alors, comme chaque épisode, j'aimerais aujourd'hui avancer un petit peu plus sur le Frozen Pass. Mais avant ça, j'ai vu qu'on avait 2 autres dons. Alors, premier don de SAFMF. Alors, voir. De l'XP, ok, 50 levels. Et ensuite, hop là, un don de Pola78. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, yes. Et vous régalez avec vos P4, là. Waouh. Putain. Hop là, hop là, hop là, hop ça, on a tranchant 5 feu,
TNT, oh yes, on aura besoin d'une TNT en plus pour le défi. Bloc de rubis, du mercure. Oh putain, et merci beaucoup, hein. Merci pour l'XP et aussi merci pour ça parce que pff, c'est vraiment trop bien. Bah, je vais directement aller ranger ça chez moi. Alors, on va commencer par le premier défi qui est tout simplement casser 30 blocs de fer. Donc, c'est parti. Hein. Je pense pas que celui-là il va être trop compliqué. Hop là, j'ai eu peur pendant 2 secondes qu'il ne me rentre pas un bloc de fer. Donc c'est bon, j'ai terminé avec les 30 blocs de fer, et comme vous pouvez le voir, je suis passé palier 7, et j'avais pas vu aussi, mais j'avais obtenu un truc au palier 6, voilà, comme vous pouvez voir là, attendez, je vous montre ça, voilà, les petits trucs particules de lave, bon, c'est clairement pas ouf, mais écoutez, j'ai rien à dire, pour... j'ai rien à dire pour enchaîner, du coup, on va faire péter les 30 TNT, hein. Cette fois-ci on va pas faire le foin, parce que la dernière fois, j'imagine que je m'étais raté, du coup, voilà, hop là, on fait péter ça un par une. Ah oui, c'est vrai, je peux faire comme ça. Hop là. Hop là. On va tout péter. Oh, par contre, ça me détruit les oreilles. Hop là, et ce termine. Alors, ensuite, il nous reste manger 10 steaks. Hop là, regardez. Hop là. Défi terminé. Oui, défi terminé. Ben. Bon, quoi que c'était scripté. Alors, ensuite, on a cassé 20 psy. Bon, dommage, j'avais un lac de lave et tout, sauf que bah, j'ai fini par le perdre. Et comme j'ai la flemme d'aller en chercher un autre, bah, on va faire ça directement, comme ça, voilà. Ça va être plus long, ça va être plus ennuyeux, mais écoutez, comme j'ai dit, j'ai trop la flemme. Donc, c'est bon, j'en ai fini avec l'obsidienne. Donc, on va voir, je suis palier 9. Alors, il me reste quoi comme défi 5 kills en série, faire 10 kills, 4 suivantes, 30, oui, on va oublier tout ça, est-ce que je vais vraiment me casser la tête, aller chercher 30, juste pour 5 étoiles, non, bien sûr que non, déjà que j'ai la flemme d'aller chercher un lac de lave, alors non, clairement pas, miner 400 jade, attends, je vois, il y a plein de trucs minés. Donc, vous savez quoi, je pense qu'on va les miner, hein, tout simplement pour bah, peut-être avancer un peu sur les défis, mais aussi tout simplement parce que j'ai envie de miner, tout simplement, voilà. Mais avant d'aller farmer, j'aimerais tout simplement me craft l'armure de farmer. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que... Où es-tu? C'est où? Bah... Où est-ce que tu es, toi? T'as rien? Où est-ce qu'elle est? Parce qu'en fait, je me souviens vraiment plus du craft. Je crois que c'est un truc simple, genre il y a du mercure avec l'armure, mais comment il faut placer? Ah, voilà. Voilà. Du coup, c'est du jade, oui, voilà. C'est du jade et tout entouré. Voilà, j'étais plus sûr. À un moment, je me suis dit, attends, il fallait pas mettre dans les 4 points. Non, non, faut tout entourer. Alors, on commence par le. Calme-toi. Le casque. Bien. Bon, nul. Alors, le casque, hop là. Ensuite, hop, le plastron, j'aurais pu faire tout d'un coup, mais écoutez, ouais, hop là, ensuite, jambes, le pantalon, oui, c'est la même chose, et les bottes, hop là, voilà, du coup, on a notre armure de farmer, on va enlever notre sublime armure mercure, et on va mettre ça, voilà, du coup, on a les mêmes, du coup, c'est les mêmes effets, tout, je pense, hein. Ça, je pense pas qu'ils ont changé. Compte, est-ce que j'ai plus de place dans mon EC si je veux ranger l'armure de farmer ou ça? Ah, c'est un petit peu compliqué ça. Faudrait soit je la garde tout le temps avec moi, ce qui est un petit peu dangereux. Hein, on va pas se mentir. Il y a trop de trucs dans mon EC. Vous faites trop de dons, les gens. Regardez ça là, c'est n'importe quoi. Vous faites trop de dons. Là, j'ai même plus de place à cause de vous. Ouais, non, ça, les gens, c'est n'importe quoi. Vous faites trop de dons. Hein. Là, j'ai plus de place pour ranger dans mon EC. Je plaisante. Hein. Surtout, vous continuez à faire des dons. Bon bref, plaf plaf, je vais trouver un endroit à ranger et warp ressource. Hop là, vous avez ça, téléportation instantanée warp ressource. J'espère avoir géré ça au montage, sinon ça va bien puer la merde. Ah oui, bah, il nous faudrait quand même la sainte pioche, farmer, voilà. Du coup, c'est parti les amis, go farmer pendant ben, un bon bout de temps, voilà. Oh, ça, ça m'intéresse, ça, pas vous mentir, ça m'intéresse les émeraudes, hop là. Et du coup, ben, on se retrouve, ben... Bah, je sais pas, quand j'aurai plus envie de miner, tout simplement. Alors, me revoilà au spawn, et déjà pour commencer, j'ai reçu un don de Nisrin qui est très intéressant. Regardez-moi ça.
Je crois, attends, on l'avait testé une fois. Si on avait testé ça une fois à la V5, je me rappelle, j'avais fait. J'avais crafté juste pour tester comme ça. Ensuite, bâton de désenchantement, un livre tranchant. Oh, très intéressant ce livre. Et ensuite, un P4 rubis. Nice, ben merci beaucoup pour terminer cette vidéo. Ben, c'est vraiment pas mal. Hop. Et du coup, ben oui, forcément, vous l'avez vu. Voilà avec quoi je ressors après cette petite séance de minage. Hein. Va falloir que je range tout ça dans mon EC. Du coup voilà, on ressort avec 7 blocs de mercure, 11 blocs de rubis, 20 blocs de jade et 24 blocs d'émeraude. En vrai, en émeraude, on est pas mal. Hein. Franchement, après on pourra comment on avait 2 tickets, je crois que c'est 3 normalement. 3 tickets pour avoir un fragment d'ice ou 2. Je m'en souviens un peu. Après, je peux pas vérifier pour l'instant parce que je suis pas encore en level 3 farmer. Hein. Ça, il faut surtout qu'on up. Prochain épisode, il faut absolument qu'on up ça. Comme ça, on peut avoir accès au marché, tout simplement. Et du coup, on va passer un petit truc là pour terminer cette vidéo. Ah là là, c'est pas spécialement la chose, vous allez voir. Alors ce que je dois vous montrer la vie, alors vous allez voir, c'est pas forcément la meilleure chose pour terminer la vidéo, mais malheureusement, on s'est fait niquer. Voilà notre best claim, putain. Ouais, allez, attends, faction. Alors on n'a pas les claims, ouais, c'est la Dark Nero qui nous a pillé. Merde, alors regardez ça, on s'est fait défoncer. Surtout idiot comme je suis, je me suis pas fait de BP. Du coup là, je suis actuellement sans abri. Hein, c'est-à-dire que tout ce que j'avais était dans cette chambre et juste au moment où je voulais terminer cette vidéo en vous disant ouais prochain épisode on se fait une BP et tout tranquille et ben on sera bien obligé finalement de la faire hein. Mais heureusement les amis The Next Nine alors il avait fait un don je crois je sais plus si c'est le dernier épisode ou avant enfin bref du coup il m'a prêté il m'a fait access à sa BP hein. Pff, merci merci beaucoup et du coup j'ai bien un petit coffre là voilà pour ranger mes derniers petits trucs comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de farmer un maximum de psy hors cam, comme ça dès le prochain épisode on commence, on attaque la BP. Et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, même si ben, c'est pas spécialement terminé bien, hein, voilà. Et ben franchement ça fait vraiment plaisir de revenir sur Frondenia, voilà. Après je suis pas vraiment un mec qui. Voilà, clairement je contrairement. Vraiment, je tryhard absolument pas le jeu, hein, voilà. En ce moment, ça doit être le truc que je joue le moins. Voilà, Frondenia. C'est vrai que ça fait longtemps. Ouais, ça fait un mois que j'ai pas joué. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Après, je veux pas mentir, hein, ça veut pas dire que je vais commencer à tryhard et tout le jeu. Hein, je suis pas, c'est pas mon genre, voilà. En tout cas, on va essayer, hein, voilà, de garder un petit rythme régulier. Hein, voilà, des vidéos, ouais, même si elles prennent beaucoup plus de temps. Hein, voilà, je l'avais déjà dit, les vidéos Frondenia, souvent celles qui prennent le plus de temps à se faire. Mais on va essayer de garder tout simplement un petit rythme régulier, voilà. Et sur ce les amis, ben comme si la vidéo vous a plu, vous le savez les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Tchuss!